fait quoi ce soir? Je sais pas, pour aller au cinéma. Et voilà, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. C'est bon? Vas-y, goûte. Toujours des mojitos, hein. Mais t'as pas changé depuis la fac. Si, quand même un petit peu, si. Oh. Cette femme si chic à la veste rouge. Oh, au fait, c'est ma meilleure amie. La bonne fée qui veille sur moi. Je t'ai fait un gâteau. Mais où est-ce que j'ai... Tiens, c'est pour ton repas de ce soir. Et Kiki, il va bien? Le serveur a été embauché par le patron du bar grâce à sa tati. Lui, il se voit comme un poète. Ah bah dis donc, waouh! Là, je suis fière d'être la meilleure amie de Wonder Woman. L'héroïne de l'histoire, c'est moi. La fille avec le bandeau de Rambo. Du boulot, des amis, mais un gros problème. Et ben moi, tu vois, à 40 ans, j'ai sauvé personne. Ah bah là, c'est sans appel, ma grande. T'as raté ta vie? Mesdames, bonjour. Pour vous féliciter de votre intervention, la direction vous offre une collation. Cappuccino à la crème, cocktail exotique, chocolat à la cannelle. Ce que vous voulez, mesdames. Elle veut juste une bière pression. C'est ça, une pire potion. Oh non. Oh non, mais c'est pas vrai, mais ça s'arrange toujours pas avec les hommes. Hein. Non, ça s'arrange pas. C'est pire en pire. Ah ben oui, je vois ça. Ouais. Il y a du boulot. Hein. Dès qu'il y en a un qui s'intéresse à moi, tu vois, je perds tous mes moyens. Oh. Mais attends, écoute, dis-moi, mais t'as personne en vue en ce moment? Si, j'ai bien le voisin. Ouais. Non, mais attends, ça sert à rien du tout. Attends, mais comment ça sert à rien? Mais j'arrive pas à aligner deux mots. Quand t'es pas, c'est pas, y a pas. Écoute, ma chérie, mais oui. T'as pas besoin de sortir des grandes phrases pour ferrer un homme. Oui. T'es une femme d'action. Oui, c'est vrai, oui. Sois naturelle. Oui, ouais. Bon, mais écoute, ce soir, tu l'abordes, ok? Ah non, je peux pas. Ah si, c'est pas possible ça. Ah mais si. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas ça. Ah non, je peux pas. D'accord. Mais promis, hein. Ok, promis. Mais Sophie. Mais Sophie, tu fais ça comment? Bonjour. Bonjour, Madame Vater. Vous avez déjà vu une grosse sangsue de 50 kilos? Bonjour, Madame Tympan. Vous avez vu? La mode est courte cette année. C'est la nouvelle copine de notre voisin du dessus. C'est la troisième ce mois-ci. C'est sûr? Toutes les angevines se refilent son numéro. C'est comme un bon médecin qu'on conseille aux copines. Hé, il y a le petit Durand qui est parti 3 jours en Hollande. Madame Tampon. Mmh.
allez chercher là-bas en Hollande en fait. Stop ! Terminé. Madame Tympan, gardez-en pour la prochaine fois. Bon. Au revoir, Madame Tympan. Bon. Lucas, 70 kilos de phéromones. C'est le facteur. Il s'est trempé. Il a mis ça dans ma boîte aux lèvres. Merci. Ce que vous auriez pu faire, c'est la mettre directement dans la fente de la boîte aux lettres. C'est sûr. Voilà. C'est pas faux. Oui. Oui. Autre chose ? Non. Si. Il fait beau aujourd'hui. Ouais. Ça. Bon. Eh ben, au revoir, mademoiselle. Au revoir. Ah ça, pour un râteau, c'est un bon râteau. La tienne, Kiki. Laisse-toi faire. Allez, viens. Allez, voilà. Là, tu vas voir. C'est un mauvais moment à passer. Hein? Kiki. Voici ton repas.
Ah, vous aussi, ils vous ont réveillé? J'ai compté 7 fois pendant la nuit. Ça me rappelle ma jeunesse. Vous voulez la place? Dites donc, Madame Tympan, vous habitez pas à l'autre bout du couloir? Vous avez l'oreille fine pour votre âge? Kiki, j'arrive. Oui. C'est qui? Hein? Eh ben, c'est la voisine du dessous, dis donc. Hein, celle qui tape au plafond. Celle qui téléphone le soir après 22h, quand elle trouve que je fais trop de bruit. C'était quand même à 3h du matin. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Bah, qu'est-ce qu'elle veut, la voisine qui frappe comme ça un dimanche matin à 7h du matin? J'ai une fuite dans ma cuisine. Enfin, je... De l'eau. C'est de... Elle a une fuite, hein? Non, pas moi. Est-ce que je peux aller voir dans votre cuisine si... Non, c'est pas possible d'aller dans ma cuisine, c'est pas possible, ça, c'est... Je suis désolé, voilà. Bon, ben, je suis occupé. J'ai une grasse matinée à finir. Allez, dépêche-toi, je vais te voir. Attends, Poitiers, c'est à peine 2h, ça. Oui, mais avec les bouchons, je peux être en retard. T'inquiète pas. Dimanche, moitié danger, déjà à la fin. Je t'ai dit, tu veux. Ça peut être une croyez. Filez. Ah, c'est beau, l'amour. J'espère qu'il mérite tous les efforts que vous faites pour lui. Comment ne pas perdre la tête? Vous êtes pas parti, vous? Non. Oui, bah oui. Kiki! Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, là? Je cherche mon boa. Comment ça, vous cherchez votre boa? Oui, je cherche mon boa. Mais non, mais c'est pas possible, ça. Non, 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 c'est mes affaires, je vous interdis de toucher mes affaires. Lâchez-moi, mais c'est pas... Lâchez-la! Allez, à moi. Bon. Cherchez dans les placards du bas. Non, je cherche pas dans le tiroir. Oh, ça désolée. Fait mal. Je suis désolée. Vous foutez le camp là. Excusez-moi. Venez là. Attendez. Écoutez-moi.
Il s'est échappé de son vivarium. Kiki, j'ai regardé les plans de l'immeuble. Il est là, j'en suis sûre. Aidez-moi. Ouais. Ouais. C'est à cause de lui, la fuite d'eau. Hein? Oui. Mais non. Non. Oh. Je suis désolée. Je vais m'essuyer. Comment ça? Je vais m'essuyer, là. Non. Comme ça. Vous voulez ma chemise, là, peut-être? Oui. Non. Non. Non, écoutez, je crois que ça va pas bien. Non, non, si, si, ça va bien, ça va bien. Non, non, mais non, mais non, tout va bien. S'il vous plaît, vous êtes rentrés chez vous et on voit ça demain. On se calme après. Non, par contre, pour la facture de la porte, je vous l'envoie. Ah bon? Attendez, attendez. Au secours! J'arrive! Putain, énorme! Attends, mets-le derrière moi. Prends les choses en main. Occupe-toi de la tête. J'attrape sa queue. Mais ça glisse! On a failli mourir, mais c'était bien. On est bien. Oui, c'était bien, oui. Dis-moi. Oui. Tu fais quoi ce soir? Bon, pas mal. Hein. Je t'invite à dîner au restaurant. Waouh, quand même. Oui, mais tu fais quoi de ton appartement? Il est sans surveillance. N'oublie pas que la porte d'entrée est cassée, quand même. Merde. Eh ben on dîne chez moi alors. Voilà. Ouais. Peut-être pas. Ah bon? Tu sais quoi? Tu descends tes affaires chez moi. Et puis, t'oublie pas ta brosse à dents. D'accord? Wow. Tu sais quoi? Non. Mais j'osais pas te le demander. Tu sais quoi? Non. On va fêter ça maintenant. Ouais. Hein? Ok. Je tiens plus, il faut que je le fête maintenant. Ah ouais. Hein? Ah oui, on va le fêter maintenant. Oh, ils sont mignons! Ça me rappelle ma jeunesse. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée.